Mais là, ici, là, c'est escarpé et faut pas glisser, là. Et salut les fratés, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve à proximité de Marseille, plus précisément aux abords des Calanques. On va aller louvoyer, cheminer dans les Calanques, au milieu de cette garrigue. Je suis très bien accompagné pour cet épisode. Alexis à mes côtés. Hey ! Ah, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Une belle petite balade, on va se la régaler. C'est un milieu hostile, il va falloir être attentif. Ah. Non, désolé les gars, j'étais avec vous. Ah, Simon. Voilà. Salut les fratés. Je vous laisse vous présenter un petit mot. Deux mots pour vous présenter les gars. Alexis, je t'en prie. Vous me présentez, on va partir sur inaccessible. Oui. Et humour. Ah, okay. Voilà. Super, c'est tout. Moi c'est Simon, je dirais vif et assez beaucoup d'humilité. Bon ben les amis, donc le programme aujourd'hui ça va être une petite balade, on va aller se faire une boucle, on va aller cueillir des petits points de vue, des petites calanques. Calanque qui vient du provençal, calanque ça veut dire quoi? Aucune idée. Apprends quelque chose. Petite crique aux flancs escarpés. Il va y avoir plein de petites infos à picorer, ça va tomber comme ça, vous y attendrez pas, paf! Quoi? Wow. J'ai eu peur. Et ben c'est parti les amis, allez let's go! Yo. Ouais. Allez! Voilà! Let's go! En descendant la rune, telle des protoques qui broutent, qui croquent la vie à pleine dents, la crinière au vent, à pleine dents, la crinière au vent. Qu'est-ce qu'on entend, les gars, là? Je pense que c'est des goélands. Non, il y a des goélands. Ouais, putain. Une mouette, mais alors, goélands, ouais. À Marseille, on dit les gabians. Les gabians, bien joué. C'est pas les mêmes goélands que dans l'océan Atlantique, les goélands de Méditerranée. Les gabians, pour les Marseillais, c'est le goéland le coffé. La différence, c'est qu'eux, ils ont les pattes jaunes, alors que le goéland d'Atlantique, il a les pattes un peu rosées. Super, merci, Jamy. Si, Jamy. Avec plaisir. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Quoi, mille dieux ? Incroyable les marches là. En fait, ça fait un peu un théâtre. On s'est fait une petite montée là, on a fait quoi, 100 mètres de dénivelé, même pas. Un petit 80 mètres de dénivelé, on arrive au sémaphore avec une vue dégagée, magnifique panorama. Et déjà, il y a plein de choses à dire. C'est quoi un sémaphore, Alexis ? Sémaphore, du grec séma, ça veut dire le signe. Phoros qui porte poste de surveillance côtier qui assure la communication entre terre et mer. Si t'es grillé, fait... mec. Ouais, je t'ai fait. Je suis parti avec deux escrocs. Normalement, quand tu lis un prompteur, tu dois faire comme si tu regardais. Je m'étais mis bien dans l'axe en plus. Ah la vache. On peut la refaire. C'est quoi un sémaphore, Alexis ? Un sémaphore, du grec séma, le signe, et phoros, qui porte, est un poste de surveillance côtier qui assure la communication entre terre et mer. Ça monte, ça descend, on monte sur les crêtes, on redescend dans les criques. Donc bien sûr, dès qu'on monte, on a des superbes vues là, sur les îles en face. Et ce que me disait Alexis tout à l'heure, c'est que là-bas, c'était l'exact endroit où s'est écrasé l'avion de Saint-Exupéry, en 44. Il survolait les Calanques, il a dû se prendre un gabien ou un truc comme ça, et il s'est écrasé là-bas. Et en fait, il y a quelqu'un qui a retrouvé sa gourmette au fond de l'eau, avec marqué Antoine de Saint-Exupéry dessus. Improbable, les gens qui retrouvent la gourmette. Et un peu plus tard, on a retrouvé la carcasse de l'avion. C'est quand même une sacrée histoire, quoi. Magnifique, en tout cas. La caméra, c'est comme l'œil humain. S'il y a du soleil, il faut mettre des petites lunettes de soleil. Ah ouais. Et oui. Petites lunettes de soleil. Et oui. Okay. Tu peux te faire sponsoriser. Regardez l'horizon. Arrêtez de penser sponsor. C'est vrai. Putain, mais les meufs, on est dans le truc palpable, quoi. Et nous, il faut qu'on construise, il faut qu'on commence, quoi, à avancer. Ah ouais, et on se cherche, ouais. C'est pour ça qu'on vient, marcher aussi, ça nous fait du bien. Mais ça nous rapproche aussi, à Ando, je pense, non? Ouais. Ça rapproche les hommes. On papote, on avance, on se livre. On se livre sur des choses qu'on n'aurait pas... Ouais.
on y va, on avance. Ils sont un peu fragiles en ce moment, les deux loustiques là. C'est quoi le nom des îles un peu les gars là? Vous connaissez? Oh, je suis pas parti avec les bonnes personnes. Non. Ah, y a, y a... non, c'est vrai, on l'a connu. Le sémaphore, on l'a vu tout à l'heure, effectivement. On l'a vu tout à l'heure. C'est quand même important. Et on change là, il fait chaud là. Hein. Ah, ça commence chaud. En short. Je sais pas ce que c'est. C'est dégueulasse, on est vraiment la grosse crotte. Je sais pas ce que c'est. Le pesto. Mais putain, c'est de la bouffe, mec! Oh la vache! Le seul repas qu'on a! C'est écrasé au fond et toi tu le fourres! Je t'ai laissé faire le sac aussi, c'est ça. C'est incroyable. Je rentre. Ah, on a un petit souci avant. Ouais. C'est une gestion du sac mal gérée par Thibaut Rando. Et oui, faut le dire aussi. Alors pour une fois, j'ai délégué. On est à Marseille, je connais pas. J'ai délégué la préparation du sac. Du coup, on se retrouve avec toute la bouffe écrasée au fond. Voilà. Un classique. Un gros classique. On y va ou quoi, les gars? Ouais, on y va. Faut un peu se tenir de l'autre côté quand même. Ah, y'a un petit coup de vent. Le petit village de pêcheurs des gouttes dont on est parti ce matin. Magnifique, ils sont bien là. Ah, oh, c'est magnifique, ces grandes falaises calcaires là. Exceptionnel. Sur une grotte assez particulière, vous allez voir. Excellent. Ouais, je vais me concentrer. Ça, c'est une belle grotte avec un joli point de vue là. Vraiment, c'est magnifique. Et vous avez vu que le sol est plat ici. C'était un ermitage avant. Et il y avait une petite chapelle comme ça face à la mer. Donc maintenant, il n'y a plus trop de vestiges. Mais au 14e siècle, il y avait un ermite qui habitait ici. Quoi. Belle vue l'ermite là. Il devait se régaler le matin. Belle vue quoi. Ce serait pas le moment de placer ton drone? Non, le drone c'est mort. Pas de drone, c'est le parc national. En plus t'as plein d'oiseaux là. T'as les gabians et t'as les cormorans huppés, t'as l'aigle de Bonnelli qui est là dans le coin. Et t'as aussi les puffins. Puffin scopoli, c'est le cousin de l'albatros. Et c'est très sensible au dérangement. Ça ressemble un peu à un goéland, mais c'est gris, c'est un peu argenté. Et la nuit ça fait des cris hyper chelous. Ça fait un bruit comme ça, c'est vraiment particulier. Okay. Voilà, bon bref, une grosse avifaune et il s'agit de pas déranger ça quoi. Et le drone, c'est à la maison. Exactement, le drone c'est à la maison les amis. Ouais, allez, on est parti, on va voir l'autre grotte. Elle est pas mal cette grotte aussi là. Moi je la trouve mieux que l'autre. Ouais mais le sol est moins plat. Pour habiter c'est plus compliqué. Magnifique. Elle est belle cette grotte. Incroyable. Encore une histoire d'ermite. Non c'était pas. L'autre grotte. Ah c'était l'autre grotte. Avec Thierry. Thierry l'ermite. Après voilà. Thierry l'ermite. Ciao. Bah nous on est bien là. On est bien sans Alexis en fait.
Mais pareil, hein, le calcaire perméable, ça tombe, ça fait des stalactites, des stalagmites aussi. D'après ce que j'ai compris, c'est la stalagmite qui monte, elle rejoint une stalactite et ça fait une colonne, d'après ce qu'on m'a expliqué là. Et donc du coup, ben voilà, c'est le principe de la colonne. Après, là, il y en a qui sont cassés, donc... C'est pourquoi ça a été cassé? Ah non, je sais pas pourquoi. C'est comme les cornes de rhinocéros. Tu le casses, t'en fais de la poudre et tu le revends comme aphrodisiaque, quoi. Ouais, bon. Par contre, faut pas se tromper, hein. Quoi? Eh ben, faut pas se tromper, quoi. Faut bien casser la stalagmite et pas la stalactite, quoi. C'est nul. Si, c'est pas mal. Vous entendez ce qu'on entend là? Ouais. Fauvette mélanocéphale. Surtout que vraiment j'ai dit au pif, maintenant je sais. C'est faux. Ah ouais, ça existe au moins la fauvette? Ah oui, fauvette mélanocéphale, oui, ça existe. Je sais que c'est un petit oiseau, un petit piaf méditerranéen. Il nous manque Yann, l'expert en ornithologie, là, il nous aurait dit direct ce qu'on entend. Il est très fort. D'ailleurs, il a pas fait un épisode? Ah si, vous pouvez le retrouver juste ici, là. Exactement. Il connaît YouTube. Il connaît le. Je suis un YouTuber. Vous avez une petite fiche. Et on peut retrouver d'ailleurs l'épisode qu'on avait fait en survie, deux jours survie, en survie. Deux jours en survie dans la forêt, une forêt un petit peu différente de celle-ci. C'était pas terrible. Sans eau, sans nourriture, sans épisode, presque. On n'a pas réussi, mais on vous laisse regarder, c'est juste ici, là. On y est retourné, on a réussi. C'est abusé de faire la pub d'un épisode dans un épisode. Ouais, mais c'est la base, c'est le travail de YouTuber. Exactement. En avance. Allez, on y va. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Ouais, la cloche. Abonnez-vous, pouce bleu. Facebook, Instagram, TikTok. Tiens, mais au lieu de raconter des bêtises là, tu veux pas nous raconter un petit truc sur la faune, sur la flore là, Alexis là? Tu connais un petit peu toi, il y a des trucs que tu connais là dans le coin. Je suis informaticien. J'ai fait un épisode avec Hildegarde, que vous retrouvez là d'ailleurs. Quel enfer. Ah! Là, on a de la baouque, les gars. De quoi? De la baouque. Là, cette petite herbe là que tu vois qui jaunit un petit peu l'été, ça. Ça, c'est très prisé, donc la baouque par les brebis, les chèvres. J'ai entendu parler, il y avait des bergers dans le temps et ils aimaient bien entretenir la baouque. La baouque. La baouque. Et ils cramaient les plantes concurrentes, quoi, pour qu'il y ait plus de baouque pour leurs moutons. Ils aimaient bien ça, quoi. Exactement, parce qu'ils en raffolent. Excellent. Ok, mais il y en a partout, en fait. C'est intéressant. Bon, allez, on va se poser pour manger. On va aller pique-niquer. Yes. Mais si. C'est vrai que ce qui est fou, c'est que du coup, la rando, tu sais, t'es tout le temps debout. Ouais. Et là, on s'est juste accroupi. Non, mais du coup, t'as toutes les odeurs en fait. Du coup, de la garrigue, quoi. C'est différent, c'est une autre approche. Excellent ce qu'il vient de dire. Non, mais parfois, il faut un peu se baisser, quoi, aussi. Bien de s'accroupir un peu, mettre au niveau des animaux. Tout à fait. Prendre le temps de voir ce qu'il y a à nos pieds, s'arrêter et vraiment regarder et redécouvrir en fait la beauté des choses. Par tous nos sens, ouais. Par l'odorat. Vous êtes passé à côté du crottier de renard tout à l'heure. Ah oui. Et oui, on parlait de Saint-Exupéry, du Petit Prince. C'est vrai. Il y a un des protagonistes du Petit Prince qui est dans les parages, le renard, quoi. Et oui. Ah, bien vu. Allez, ils avancent, ils taillent la bavette. Regardez-les. Alors moi, j'aime bien m'arrêter et prendre le temps de regarder ce qu'il y a à nos pieds. Là, une petite crotte assez fraîche. Je pense qu'il est à moins de 2 heures. Donc à moins de 2 heures, il y a un renard qui est passé par ici. Excellent quand même. Première difficulté sérieuse de cet itinéraire, on a une barre métallique qui est installée en guise de main courante. Mais on voit que Simon s'en débrouille parfaitement. Je crois que c'est celle-là où c'est un peu plus chaud. Mais comment je descends là? Je suis bloqué. Non, c'est vrai? Attends. Faut qu'on appelle le 112. Je réfléchis trop là. Mais quoi, t'es bloqué? Oh là là! Oh là là! Eh oui, les gars! Excellent. Putain, j'en souviens, la rune, c'était vraiment à toi. Tu te souviens du générique de la chanson? Ouais. En descendant la rune, telle des potiocs qui broutent, qui croquent la vie. Elle sera sur la bonne, les amis. La crinière au vent, en pleine dent, la crinière au vent. On arrive dans notre première petite calanque. C'est très agréable, surtout ça sent les embruns, le calcaire chauffé par le soleil, les effluves embaumés de la mer. Je pense qu'on va se poser par là pour pique-niquer, face à la mer. On va aller croquer un bout un peu plus haut et vous chanter une petite chanson, la petite chanson de fin d'épisode. Ils ont l'air très concernés par ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Et allez, on va faire ça. Ah,
Alors qu'est-ce que tu nous as prévu pour manger ce midi, Alexis? Alors j'ai prévu des petites spécialités locales. On est arrivé à Marseille depuis pas si longtemps que ça. Un rouleau de printemps. Et après en dessert, j'ai prévu un riz gluant à la banane. Ça c'est excellent en rando. Ça prend un peu de place, mais voilà, ça fait deux jours ça. Ça c'est deux jours à peu près de nourriture. C'est délicieux? Bien sûr que c'est délicieux, tu vas goûter. Allez, tiens. Allez, chill. Allez, tiens, on finit. Santé, les gars. Allez. Dans la sardine. C'est la riri. C'est la gaga. C'est la régalade. Galade. On va chanter une petite berceuse là pendant qu'il faisait la sieste. Ouais, et c'est vrai. L'heure est venue de vous chanter une petite chanson, les amis. Donc on va vous faire plein de bisous, on vous laisse en musique. A tout bientôt. Ciao. Tchuss. Ciao. C'est la dixième prise là, les amis. La dixième prise, ils y sont pas du tout. Ok. Ça sent la garrigue et la Méditerranée. La Méditerranée, à nos pieds ça pique, et ça c'est la baouque des calanques. C'est quoi? La baouque des calanques. C'est quoi? La baouque des calanques. C'est quoi? La baouque des calanques. La baouque des calanques. La baouque des calanques. La baouque des calanques. La quoi? La baouque des calanques. La quoi? La baouque des calanques. La quoi? La baouque des calanques. La baouque des calanques.